pas Megni. Ouais. Ou Megni. C'est voilà. C'est ouais, bah c'est pas un, ça va pas être si facile que ça. Maintenant, maintenant on a nos chances comme ils ont leur chance. On verra bien comment ça va se passer. Et en Coupe du Monde? Coupe du Monde, c'est pareil, c'est la même chose. Ouais. c'est encore loin, mais bon. Ouais, c'est encore loin, il faut qu'on se concentre sur, sur la, la Coupe d'Afrique d'abord. نظن باللي تربص هذا جاء يعني في مرحلة يعني حساسة قبل كأس إفريقيا وين يعني ينتظرون يعني مقابلات يعني مهمين يعني اللي لازم كما نقولوا نكملوا في هذا في هذه الأجواء يعني الممتازة يعني اللي فوتناها من قبل ونظن ماشي حاجة غريبة درك يعني المنتخب الوطني راهو يعني عائلة ورانا والفنا بهذه الأجواء ونظن يعني حاجة ما تغيرت نظن يعني رايحين نكملوا المسار تاعنا يعني هذا اللي قدامنا في أنغولا إن شاء الله. Je m'étais blessé à la cheville donc je suis bien revenu, je me suis bien préparé pour cette Coupe d'Afrique. Et alhamdoulilah, je vais bien et je suis en bonne santé. Ouais, on se replonge déjà dans cette ambiance. Bon, il manque encore certains joueurs, mais bon, il y a toujours une bonne ambiance au sein de l'équipe nationale. Donc, c'est toujours la même ambiance que d'habitude. Donc, c'est toujours une bouffée d'oxygène de revenir en sélection. Et je vois les mêmes d'avoir été tellement très bien dans le monde. Alhamdoulilah, qui me goûte le côté calé ou d'affaires, c'est d'un monsieur. كونفوكاني الفريق الوطني ان شاء الله رجعها ان شاء الله فوق كثير ان شاء الله ونفرحوا الشعب الجزائري ان شاء الله. المجموعه كما يقول لك انا كنت نشوفها من برا كما يقول لك مجموعه متكامله الحمد لله درك في الجروب ما لقيت حتى كما نقول لك مشكل معاهم الحمد لله كما يقول لك تاقلمت معاهم بسرعه وكاني نعرف صافي لونتون الحمد لله يا رب. Voilà, on a terminé avec le nouveau venu, hein, Abdelmalek Ziaya, qui est très heureux. On l'a vu au milieu de lui, une réussite de Marni. Il a voilà, fait la précision à votre micro et vous l'avez alors, laissé. S'il vous plaît, c'est Marni, non Megni. Et voilà, Marni, c'est vrai. Mais à coup de pas, c'est vrai que moi j'ai dit, c'était lors de son premier match, c'était face à l'Uruguay, je crois, où il est rentré, j'avais dit Megni. Megni, c'est un ancien joueur de l'Asmodoran. Megni. Megni, c'est vrai. Voilà, en plus on a entendu les joueurs refusent de parler de Coupe du Monde, ils se focalisent sur seulement cette... sur la Coupe d'Afrique, sur c'est cette... normal parce que l'échéance c'est dans quelques jours, donc ils doivent se concentrer, ils doivent être quand même moralement prêts que pour cette importante compétition, elle est aussi importante pour eux, hein. Ça sera l'occasion où, pour tout le monde pour confirmer leur statut d'international, le mérite de rester aussi dans cette équipe nationale parce qu'on n'est pas sûr si vous pouvez être titulaire pendant cette Coupe d'Afrique et puis vous ne serez pas peut-être exactement retenu parmi les 23. Merci beaucoup Samé Nordine de nous avoir On lui donnera rendez-vous en Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Alors vous serez là-bas. Vous serez en Angola à l'intérieur. Oui, Inch'Allah. Jamal également va me laisser tout seul et il va aller commenter pour la chaîne 3 cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez envie de faire son je vous enverrai des petits messages de là-bas. Voilà, vous serez avec nous en direct. Avant de partir, je vous dis à tous bonne année, meilleurs vœux à mes filles Lina et Anaïs et à ma femme et à mes parents. Merci. Merci à vous, très bonne année. Samé Nordine, une bonne année tous, et merci. J'espère qu'on portera tous chance à cette sélection avant de voir justement ce qu'a fait cette équipe nationale durant toute cette magnifique année 2009. À votre avis, est-ce que cette équipe, on a vu l'envie, hein, est-ce qu'elle nous prépare quelque chose, même si Seden, lui, ne veut pas leur mettre la pression en disant on va jouer les matchs comme ils viennent, mais on a l'impression qu'ils ont envie de faire quelque chose. Écoutez, il y a quelque chose de très concret, c'est le passage de la 101e place de l'équipe nationale à la 26e place mondiale. C'est important. Nous sommes actuellement 4e équipe africaine au classement mondial. On est dans le top 30. Absolument. Donc, nous avons une Coupe d'Afrique. Moi, je dis, c'est un point de vue très personnel. Nous devons prouver que nous sommes parmi les 4 meilleures équipes du monde. D'Afrique. Nous ne sommes pas là par hasard. On espère que votre lapsus sera confirmé. Ça veut dire qu'on sera demi-finaliste mondial. Voilà, rien que ça. Et avant cela, il faut donc jouer cette Coupe d'Afrique vraiment pour.